We love to see it. What's poppin'? Who you a brand new whip, just hopped in. I got options. I can pass that bitch like. Good morning, tout le monde. Comment allez-vous? Je suis venue prendre des fleurs. En plus, c'est le dernier jour de l'école pour dessiner. Donc, je suis venue prendre des fleurs pour sa maîtresse rapidement. Il est 7h. Donc, je vous disais que je suis venue prendre des fleurs, faire une petite course. Je trouve que ça c'est sympa. Avec le Covid, j'étais pas trop sûre. Je voulais lui prendre des fleurs et des chocolats. J'ai pris des fleurs, elles sont plutôt pas mal. Ça va bien lui faire plaisir et je vais prendre aussi une carte pour la remercier. Voilà, tout simplement. Voilà, en même temps, je fais mes courses. Hello tout le monde, je vous reprends, là on est dans la rue, je suis avec Destiny et Ilona. Pourquoi? Ok, Destiny n'est pas contente. Et là je vais rentrer dans la musique boutique diptyque vite fait. Ok, donc j'étais à diptyque, je me suis pris une bougie. Je voulais prendre la grosse bougie depuis, donc je l'ai pris, je vous montrerai quand je serai à la maison. Là je vais aller faire mes ongles. Mais j'étais un peu en retard, donc j'ai annulé pour demain. Donc là, je vais essayer de faire une photo vite fait, là dans l'angle. Et ensuite, on va rentrer. Rien de spécial. Peut-être on va un peu prendre, peut-être manger une glace et après on va rentrer. Alors, on est venu dans une exhibition de Disney pour faire plaisir à Destiny avant de continuer. Voilà. Je vous montrerai quelques images en fait. Là, on est au coin de Frozen, la Reine des Neiges. This is our ADM. Chopped the roof and let the smoke clear. I got diamonds, 2 inches, it's slicing both ears. Dice rolling on the Las Vegas strip tonight. Slip that on and we might miss the fight. Fucking not, I keep the quality in my shorty bag. No, she won the mom, she tattooed her ass. I'm a lover boy, she loved her toys. Are you putting some chocolate on the top as well? Yeah, this one, if you want. A milk one, please. This is too much. Thank you. Thank you. Voilà, thank you. Can I have another spoon, please? Yes. Thank you. On va partager, let's go. Ilona, tu veux se goûter? Destiny, attends, j'arrive. Outside. Outside. Tu vas faire tomber cette glace là. On se retrouve dans les toilettes, dans un hôtel super, un hôtel restaurant magnifique. Waouh, ça donne vraiment envie de venir manger ici. Mamie. London Bridge, c'est même pas tout ça. London Bridge, c'est même pas tout ça. C'était ce côté qui était gelé en fait. Je suis allée manger déjà dans le restaurant là. Si Containers aussi, c'est pas mal, c'est un restaurant, c'est un hôtel. Et à côté, il y a le restaurant. Imagine si tu habites là-bas, la ville que tu vois. Je vous montrais les fleurs ce matin que j'ai prises. Voilà comment j'ai mis ça. Elles sont pas énormes, mais j'aime bien les couleurs. J'aime bien les couleurs, mais le vase est un peu petit. Dès que j'ai ouvert la porte du salon, mon Dieu, ça sentait que les fleurs. Donc je suis de retour à la maison. Je vous montre ce que j'ai pris comme bougie et ce qu'ils m'ont donné.
Donc, j'étais chez Diptyque. Bonjour. On va mettre ça là. Bon, je suis jamais allée dans une boutique Diptyque, sans vous mentir. Mais il y a des produits quand même que je voulais tester. Donc, il y avait le gommage. Le gommage pour les mains que j'aurais bien voulu tester. Oh. Je sais pas c'est quoi qu'elle a parfumé, mais oh là là, comment ça sent trop bon. Donc du coup, j'ai pris... Waouh, j'ai pris la grosse bougie Bay. La kit. Oui. C'est la grosse bougie Bay. Bon, j'ai pris ça, je vous ai... J'aime bien, je kiffe. Déjà là, la moyenne, on va dire, ils ont trois. Il y a la toute petite, il y en a une autre et il y a celle-là. Celle-là, elle est à, je crois, c'est 300 grammes. Et celle que j'ai prise, elle a 600 grammes. Donc j'ai déjà ça. Ça parfume super bon. Dès que vous mettez ça, les bougies de Zara, franchement, ne peuvent pas rivaliser. Ça n'a rien à voir. Les allumettes, c'était complimentary. J'allume mes lunettes là. Je suis rentrée il n'y a pas longtemps en fait, je suis même en train de chauffer la nourriture. Et elle m'a donné un parfum, je crois que c'est ce qu'elle a parfumé là. Ça sent super bon hein. Tamdao, je crois que c'est Tamdao. Tamdao je crois. Ça sent super. Depuis je sens l'odeur là, depuis que je marche, comme elle a pu verrer ça sur le papier, ça sent super bon. Je savais même pas que c'était des parfums. Tamdao, voilà. Ça doit être ça. You smell it there. Ah, nice. Ah ouais, c'est, ça sent bon. Voilà. Crème exfoliante. Donc j'ai la crème lavante. La crème exfoliante. Ça, je vais tester ça direct ce soir. Pas attention à mon ongle, il est cassé. La crème encore lavante et la crème exfoliante. Ah, et de l'eau de toilette, elle m'a donné au duel. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai eu. Voilà, donc là j'ai hâte de mettre ma bougie. Oh, présentation sur ma table. Faut que j'achète des nouveaux, au moins deux livres. Il y en a un livre, je voulais prendre le Tom Ford. Je voulais prendre le livre Tom Ford pour mettre sur la table et le livre Lièvre. C'est les deux livres-là que j'aimerais me prendre pour finaliser la déco sur la table et prendre peut-être un petit vase, je prends pas un vase, un petit tableau. En tout cas, je vais bien voir. Ah, donc là, je vais chill avec les enfants. Il est 20h. Il est déjà 21h, waouh. Il est 21h, ils n'ont pas encore mangé, donc là, ils vont manger. Vous avez vu, la lumière de mon salon est jaune. Bref, donc il faudrait que je change ça. Je vais voir ça plus tard. Who call? It's 9 o'clock. Maman, je vais servir à manger. Je suis sur la télévision. Demain, je vais aller faire les ongles puisque j'ai annulé le rendez-vous d'aujourd'hui. Sinon, j'allais arriver en retard. J'irai demain. Je serai toute seule, donc j'irai tranquillement demain. Demain, je dois aussi filmer. Tout ce week-end, je vais travailler. Je vais regarder les photos tranquillement après. Voilà. Hello les filles, on est samedi. Donc là, je m'en vais faire mes ongles. Je me suis pas maquillée. Je suis sortie comme ça. Je suis habillée simple, tranquillement. J'ai mis un t-shirt noir, un pantalon Zara. Le sac, c'est... je mettrai le lien en bas. Je vais là pour ma manicure. Voilà, je suis presque arrivée. J'ai envie de faire une manicure russe avec une fringe, mais le problème c'est que mon ongle s'est cassé hier. Je sais pas si elle va pouvoir le faire. Donc voilà, mes ongles ils ont quand même assez bien poussé.
Voilà, franchement, ils font trop trop bien la manicure et même leur shellac est assez résistant, donc c'est pour ça que je préfère y aller. J'avais gagné un concours en fait sur Insta et depuis en fait j'ai découvert ce salon et j'y vais. J'y allais régulièrement en fait avant le confinement, le Covid. Et aujourd'hui j'ai dit non, il faut que j'y aille parce que mes cheveux sont bien poussés comme je les avais coupés. Donc voilà, donc là il fait assez frais. J'ai pris le métro, mais à la gare, j'ai pris à la station, j'ai pris le taxi pour arriver un peu plus rapidement parce que je suis un peu à la bourre. J'ai une minute de retard, mais je suis arrivée là déjà. Donc voilà, pour ceux qui me demandent qu'ils habitent à Londres, c'est tout simplement à Fulham. Ça s'appelle Official Money. Official Money, le nom du salon. Voilà. Ok, j'ai fini de faire mes ongles. C'est pas ce que je voulais faire à la base. On dirait que j'ai jamais de chance quand je veux faire mes ongles avec les designs parce que soit ils savent pas faire, soit ils n'ont pas ce que je veux. Et donc voilà. Donc en fait, à la base, je voulais faire une French avec du doré et faire un ongle tout doré. Donc j'ai fait une French avec du rouge et comment on appelle ça ? Allô ? C'est coupé, j'ai reçu un coup de fil. Là, j'ai des courses à faire, franchement. Je suis exténuée, il est 17h. Je voulais vraiment faire un tour à Selfridges, mais je suis fatiguée. Ça a pris au moins 2 heures mon rendez-vous pour faire les ongles, puisque j'ai fait une manicure. Elle a enlevé les ongles et elle a fait une extension, puisque les ongles étaient coupés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, je suis claquée. Je vais voir si j'ai la force pour y aller, mais j'ai des courses en fait à faire et comme il y a un Waitrose à côté, j'ai juste envie de faire mes courses, monter dans le taxi et aller à la maison. Voilà. Tout le monde, je pense que je vous ai plus repris depuis samedi, on est lundi. Je suis en train de faire mon dîner là. Je me sens pas bien, j'ai mal aux dents. Je sais pas si c'est la dent, je sais pas si c'est ma gencive. En tout cas, j'ai pas passé une bonne journée aujourd'hui. J'étais couchée toute la journée, je devais travailler, mais j'ai pas pu travailler. Voilà. Donc samedi, je suis allée faire mes ongles. Je pense que je vous ai déjà montré un petit peu. Bah, ce que je voulais faire, elle avait pas les couleurs, donc j'ai fait un autre modèle. Que voilà. Donc voilà, voilà. Je voulais juste vous mettre un peu au point. Je fais un petit truc à manger parce que j'ai pas vraiment mangé aujourd'hui. J'essaie toujours de manger léger. Et j'ai commencé à faire du sport à la maison aussi. Ce week-end, ouais. Samedi, je me suis bien réveillée et tout. Et comme ma gym, elle ouvre en fait vers les coups de 9h, ça fait que ben, je me suis dit, ah, je suis debout. Il était quoi, 8h, 7h30? J'ai dit, vas-y, je vais faire du sport à la maison. Donc voilà, avec le yoga d'Ilona. Mais c'était efficace hein, parce que le lendemain j'ai... Là aujourd'hui ça va, mais hier je sentais tout mon corps et tous les muscles tirés et tout ça. Voilà. Donc en tout cas ce qui est sûr, c'est que j'essaye de continuer à manger sainement. J'ai arrêté l'alcool. Et puis bon voilà quoi. Je fais rien de spécial, je fais juste une salade. Faudrait qu'une prochaine fois je fasse un autre repas en ligne. Mais souvent ça prend du temps quoi. Mm-hmm.
Voilà. Mon petit repas de ce soir. Elles, pour leur sauce vinaigrette, j'utilise de la moutarde. Ça, c'est de la moutarde au miel. C'est trop, trop, trop bon. Je pense que j'avais déjà parlé de ça. Même dans le poulet, en assaisonnement. Et ma soeur, ma dernière fois, m'a donné une petite astuce. Quand vous êtes pressé à préparer et que vous n'avez pas le temps d'attendre que votre nourriture, en fait, la marinade dure, mettez juste du soy sauce dans votre marinade, que ce soit du poisson ou bien du poulet. Vous allez mettre ça au four, ça va être trop bon. Voilà, mais on ne mettait pas une tonne non plus. Donc voilà, donc là je vais faire la sauce vinaigrette pour les enfants. Bonjour, c'est le jour suivant. Je suis encore dans la cuisine, je suis en train de faire un peu de banane. Et du poulet pour les enfants. Je vais aussi faire, comment on appelle ça, du riz gras. Ilona est partie acheter du riz parce qu'il n'y avait plus de riz hier en magasin. Et après, je vais me préparer pour aller à l'événement. Il est presque 14h. Je vais partir d'ici vers 15h30 puisque j'ai rendez-vous à 16h30 avec Edwige. Donc, je vais aussi vous montrer un peu comment je me prépare rapidement, mes maquillages. Je ne sais pas trop ce que je vais porter aujourd'hui. Il pleut. Mais là, ça s'est arrêté. Voilà, ma danse, ça va un peu mieux aujourd'hui. Je me force aussi parce que sinon il n'y a personne qui va faire les choses pour moi. Donc je me force. Donc voilà, donc je suis encore en pyjama, mais il est 14h, je suis encore en pyjama. J'ai eu beaucoup de mal à me réveiller ce matin. Mais j'ai fait un bain de douche, j'ai pris du paracétamol, je me suis brossé les dents. Ça s'est un peu accentué la douleur. La douleur a un peu diminué. Donc voilà, donc du coup je vais me préparer et je vous reprends tout à l'heure quand je me maquille et je m'habille. Voilà, tout de suite. Ok, donc là je suis prête, on va dire. J'étais au téléphone avec Edwige, je pars maintenant, moi aussi je pars maintenant. Donc du coup, j'ai utilisé Tam Dao, le parfum que Diptyque m'a donné. Et j'ai mélangé avec le Roux d'Isafan. Je vous montre ce que j'ai porté. J'ai porté cette jupe là avec des sandales, mais je vais changer à arriver là-bas. Je vais mettre un chemisier par-dessus. Je vais vous montrer, il est blanc. Sur le mauvais mode, je crois que c'est juste le contexte. Je viens d'arriver là, je sors. Il fait chaud. Si je vais me porter ça, j'ai quelque chose dans le sac pour pouvoir prendre des photos après. Il me reste 20 minutes de vlog. Normalement, après, on va faire un tour à Selfridges. Je vais profiter pour regarder les chaussures. Je serais aimé Kava Oli juste pour voir en fait si elles sont confortables parce qu'il y a une personne de chopper qui a les chaussures. Je vais juste voir si elles ont peur. Elles sont confortables, je suis manque de souffle. Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai monté les escaliers. Et si on attend, je vais aussi regarder un peu les robes de soirée qu'il y a là. Ah bah de toute façon je vous emmène avec. Il me reste 20 minutes, j'espère pour voir tout filmer en fait. Voilà. Regarde quand même le temps qu'il fait en Angleterre. Il y a eu une de ces pluies tout à l'heure. Et là, il y a un soleil d'été, quoi. Donc, on a rendez-vous devant Topshop. Topshop a fermé, si vous ne savez pas. Je sais pas si elle est là. Je suis sûre qu'elle est en train de parler de moi. Yo! I'm sure you were talking about me. Oh, hello, chérie. You just came out. No, I walked. You didn't have the network inside? No. I tried to call you, babe. Oh. I tried to call you, babe. Why did you walk? Because it's too hard to be underground, babe. What? Did you walk from where? No, I walked from Bond Street, babe. Là, je suis arrivée. Il nous reste combien de minutes? Attends, je vais regarder mon portable. We have 17 minutes left. Oh my god. I'm sure she's going to the event. Should I wear my heels? No. Huh? No, I'm not going to wear my heels here.
We're taking the picture, babe, right? Because I have to put the strap on. Yeah. Too much hustle, babe. Say hello, baby. Hello. Non, dis bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ok, let's go. Let's go. Oh my God. We love to see it. Change. Je viens d'arriver, enfin ça fait longtemps que je suis là, mais je vais vous montrer correctement le showroom en fait. C'est une marque anglaise, ça s'appelle Karen Millen, je pense qu'ils vendent aussi des affaires en France. Donc vous avez la nouvelle collection qui va commencer. Ce qui veut dire que les bottes combat seront encore tendance. Biredo. Là vous avez les robes de soirée. J'ai beaucoup aimé ce modèle là aussi, magnifique. Franchement, ils ont de très 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 belles pièces, très classe, élégante, magnifique. Vous avez de la lingerie, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais fait, mais franchement, tout ce qu'il y a, c'est magnifique. Regardez-moi ce petit peignoir sexy, ouh là 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 là, avec le short. Regardez-moi ça, et en plus ils font des grandes tailles. Franchement, c'est ça qui m'a tapé à l'œil direct. Les chaussures là, elles sont canon. Mon Dieu. Hein? I think you've had too much to drink. Regardez-moi ça. On en parle de ce trench? Magnifique. Look at this girl. Là, on va bouger avec Edwige. On va aller à Selfridges. Donc, on va y aller. Et on va voir si on peut prendre des photos. Regardez-moi cette beauté. En fait, je suis venue voir des chaussures, mais malheureusement, ils n'ont que des chaussures plates de chez René Caovilla. Ou des bottes comme ça. Mais bon, ça ne me plaît pas. Ok, donc nous sommes à Selfridges avec Edwige. Donc c'était cette marque là que je voulais voir, René Caovilla. Mais en fait, ils n'ont que des chaussures plates en fait. À part ça, mais j'aime pas les bottes. Elles sont magnifiques les chaussures. Yeah, the price is nice as well. It's my name too. Because of the sparkling thing. But it's really different, it's nice. Donc celle-là c'est la rose, celle-là c'est la grise, mais en fait je pensais pas que c'était, je pensais plutôt que ça allait être ce matériel là en fait. I was thinking it's gonna be this material, you know. This is more like metallic. But you don't have like, no, this color, no. Patty, you don't have it. Non, donc Edwige en fait elle veut prendre des sandales. Au rang pour son anniversaire, donc elle veut prendre la couleur marron, mais je lui dis que je trouve pas qu'elles sont vraiment waouh, je trouve que les blanches sont plus jolies, surtout pour l'été en fait, donc mais elle préfère les marrons, donc dites moi ce que vous préférez. Blanche. Marron c'est brown, et blanche white. So, je suis pas en allée, enfin, ça y est, monte ton sac. Elle s'est choisie, elle s'est offert un petit sac Hermès. Donc il faut aller sur sa chaîne pour savoir ce qu'elle a choisi. Enfin, je rigole, pas un sac, des chaussures. Bon, donc là, on va aller voir ton petit copain. On va voir ton petit copain. Stop that. Stop that. I want to put this somewhere. This is too many. There is too many bags. So let's go to Saucony Mayfair. Bye.
Babe, let's go. You know why second in Bayfair? No. I'm hungry. Next to Céline. Okay. So let's go there. If not, I'm just thinking where else we can go. Mais je voulais juste vous montrer comment ces toilettes sont juste incroyables. Trop trop beau. Regardez le marbre, les lumières sur le mur. Magnifique. Je ne mettrais pas un papier peint comme ça dans mes toilettes, mais bon. Donc là on va manger là maintenant. J'ai besoin de trop toucher. Donc voilà, 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 voilà. J'ai besoin de me retoucher un peu là. J'aurais pas dû faire ça. Posé là. Oh, il me reste que 4 minutes. On va manger. Je pense pas que j'aurai beaucoup de temps encore à filmer. We're at the restaurant now. We are Isabelle. Isabelle Mayfair. Isabelle Mayfair. Did you like the way I said that? Is it sexy? No, it's not. So Cathy's been saying that I speak French like a robot. Like an Arab woman. So now. Christian Dior. Now she laughs at me because I said Christian Dior. And I was like, but that's English. But this is English, so Isabelle Mayfair. How do you say Mayfair? Christian Dior. Christian Dior. Isabelle Mayfair. Mayfair. And you say Isabelle. 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 Yeah. Not Belle. Isabelle. Isabelle. Well, I don't think we have the same color. Do you think? I think I'm more yellow toned. You're more red toned. No. No? For yellow tone all the time. Really? Yeah. We're about to eat. I'm really hungry. What time is it? Because that's it. Isabelle. 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 But yeah, guys, my foundation is really nice. Even Patty has said. Yeah, I need to really get it. The Pat McGrath, I need to get it. What? So good. What? Color? Yeah. Oh, I need to check for you. Vous avez vu Edwige? On vient d'arriver, ça fait 10 minutes qu'elle est sur son téléphone. It's lies, guys. It's lies. Aujourd'hui, pas d'alcool parce que j'ai mal aux dents. Je viens de prendre un Doliprane. C'est mon troisième Doliprane de la journée. Donc voilà, j'étais un peu tentée de prendre un cocktail, mais pas de cocktail aujourd'hui. You're never fully dressed without fragrance, right? So nice. Thank you. Oh, that looks good, right? The fish, you think? Mm-hmm. I mean, I wish I had some water. Les pâtes, pommes de terre pour madame. Du poisson. J'ai hésité avant de prendre ce poisson. J'ai bien fait. Hein. Behave yourself. Don't do this. It's good, it's good. Mmm. Mmm. I like it. I think they put also a little bit of pepper. Mm-hmm. Pepper, lemon juice. Mmm. Shit. Just stepping out, I feel like I'm a nigga shit. I dropped 30 on this room, we ain't gon' sleep for shit. If I catch you not in love, then it's gon' be some shit. Where you can do what you wanna, live where you wanna, spin what you wanna. Yeah, it is. Oh my god, I need the food. Ça c'est le dessert. Dessert time. On a fini de manger. Donc là c'est l'heure de rentrer à la maison. 23h. Oh non. Many bags.
22h39. C'est le vlog ici. C'est la fin du vlog. She's always photo ready. How long you been here? In this restaurant? Mm-hmm. For 8 weeks. Oh, oh, you're new. Very friendly. Thank you. Ok, donc là je suis rentrée, j'ai oublié, j'ai dit que j'ai déjà arrêté le vlog, mais je voulais vous montrer quand même ce que j'ai eu aujourd'hui à l'événement. Donc j'ai de chez Karen Millen. Donc si vous ne connaissez pas Karen Millen, waouh, c'est la même boîte que Chanel aussi. Ah, Karen Millen en fait c'est une marque anglaise qui vend des tenues vraiment très élégantes, classiques, féminines et chics. Donc voilà, donc du coup aujourd'hui c'était l'événement où je suis partie, c'était un événement pour avoir la pré-collection de la nouvelle saison en fait, puisque là bah, ça y est, l'été c'est fini, maintenant il y a l'automne et l'hiver qui arrivent. Donc du coup j'étais avec Edwige et on a vu pas mal de pièces qui sont assez sympas. Ils ont de très très belles pièces, notamment ils ont ajouté comment on appelle ça, une collection de lingerie qui est juste magnifique, que je vous ai montré. Donc voilà, donc du coup j'ai reçu, je suis fatiguée là, j'allais prendre une douche, boire un du thé et après je vais bouger. Donc j'ai reçu du Pays d'Oc, donc c'est un rosé. Ils avaient un prosecco là-bas qu'on a bu, en fait c'est pas du champagne, c'est du prosecco, du vin mousseux si vous voulez, qui était vraiment très bon, très sweet, très doux au palais. Donc on a bu ça. Donc là j'ai reçu ce rosé là, je pense que ça doit être super bon. Oh, j'ai reçu le Mojave Ghost aussi hein, en parfum, très bien pour mettre dans son sac. Ils ont de très très bons parfums hein. Franchement, voilà. Le monsieur qui nous a reçus, qui nous a en fait éduqués, parlé des parfums et tout, franchement, il nous a donné beaucoup d'informations. C'était sympa, c'est bien à voir. On ira le voir même dans son magasin. Donc, il y a le catalogue de la nouvelle collection, bien évidemment. Il y a vraiment de très très belles pièces. Mais franchement, les chaussures plateforme, là, elles sont canon. Canon, canon. Voilà, donc j'ai une petite gourde. J'utiliserai même pour aller à la gym. Voilà, des macarons de la durée. J'ai mal allumé ma bougie, ça fait de la fumée. Ah, j'ai pas coupé le bout. J'ai pas coupé le bout. Quand ça fait de la fumée, c'est que c'est pas en train de bien parfumer. C'est pas bon. Faut que je coupe le bout de la bougie, de la mèche en fait. Donc voilà, donc j'ai reçu ça. Ils ont mis aussi un petit sac Karen Millen. Bon. Je vais le prendre aussi peut-être pour aller faire des courses de temps en temps. Voilà. Donc en fait, Karen Millen, Nasty Gal, Boohoo, ça fait partie en fait de la même famille en fait, si vous voulez. Donc voilà. J'ai reçu, j'ai pris, j'ai choisi en fait, on avait le choix avec plusieurs parfums et moi j'ai choisi le Bal d'Afrique. En fait, j'ai hésité entre Inflorescence et Bal d'Afrique. Il y avait aussi, j'ai oublié même suite quelque chose, c'est ce que Edwige a choisi. Et comme il y avait de la vanille dedans, j'ai pas voulu le prendre. Mais comme il y avait de la patchouli, ça sentait aussi très bien. Très bon. Welcome to my collection. Très minimaliste. Donc c'est la bouteille de combien? Je sais pas. Je crois que c'est 50. Hein. Parce qu'elle a l'air un peu petite quand même. Ouais, c'est 50 ml l'eau de parfum. Et c'est la même senteur en fait que mon que ma crème pour les mains. Donc voilà ce que j'ai reçu. Là je vais aller prendre une douche. Je vais boire du thé et je vais me reposer.